ensemble, ils disent un beau joyeux Noël, Scrooge tremblé. Mais là, attendez-moi une seconde. Il faudrait quand même le fatiguer, hein? Parce qu'on voudrait pas que ça a l'air un peu... C'est pas poche. Il faudrait que ça ait un bon effet. Il manque un peu dans son mot, d'amour, excusez-moi, dans sa vie. Ça va faire du bien. Mais là, ce que j'aimerais qu'on fasse, parce que ça se peut que la vie est tôt, j'aimerais qu'on le pratique, mais je suis jeune. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Je vais faire des comptes de 3, 2, 1. Après, on dit tout le monde ensemble, joyeux Noël, Scrooge tremblé, ok? On fait chuchotant en 3. Là, je le répète, 2. Mais pas toi, je veux pas te faire l'autre. Joyeux Noël, Scrooge tremblé. Il va rire, il va capoter. Ok, là, on est dans la bouche, je pense que ça en est une minute à l'autre. Soyez prêts, attendez mon décompte. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est vous? Ok, préparez-vous dans 3. 2, 1, joyeux Noël, Scrooge tremblé! Ah, c'est rien que ça! Je peux pas aller nulle part sans qu'il y ait un illuminé qui me souhaite joyeux Noël. Hein, vous êtes pas inquiète, tannez les gérer le peuple! C'est pas tout le monde qui aime ça, Noël! Que vous allez voir, quand vous allez recevoir votre bille en janvier, votre sourire va partir en saquette! Ah, y'a bien du monde! C'est qui se passe dans la ville, là-dessus? Oh! Oh non, c'est la parade! Il va avoir du trafic dans toute la ville! Hey. Pas supposé travailler, toi? Oui! Ben, allez-moi te sourire là, pis se crame! Là, tu parles! Garage Tremblay, bonjour! Monsieur Tremblay, deux secondes! Oui! Oui, je vous écoute! Il n'y a pas de problème, oui, parfait, pour le 20 ans, je serai disponible. Oui, on fait les tailles aussi. Passez une bonne journée! Qu'est-ce qu'il y a? Je vous achète un petit cadeau. Bob Cratchit, quand je t'avais demandé de pas me donner de cadeau pour m'en faire, ça valait aussi pour Noël. Mais non, mais c'est pas grand-chose, c'est une petite affaire, c'est pas un livre. Ah, ben c'est Bob. Ça, je sais, moi, plus les livres. Arrêtez les choses à l'aimer, celle-là. Si tu dis... Conte de Noël. C'est Bob, sachez quoi, comme ça, les histoires de Noël. Ah, donnez-y une chance! Il est peut-être qu'un an, celui-là. Ok, écoutez ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un vieux chialeux, mais si je peux pas. C'est un vieux chialeux qui aime pas Noël. Bon genre, les gars, hein? Ah, oh, pis je voulais vous dire aussi, en fait, il fallait que je vous demande. Une seconde. Garage Tremblay, bonjour. Oui, j'ai un petit mal de gosse. Parfait. Un changement d'huile, oui, on aurait de la place entre le 24 et le jour de l'an. Oui, parfait. On vous organise ça. Et on va passer une excellente journée. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est juste qu'il faudrait que... Ah ouais, crache les morceaux! Comment? Que vous me séduliez peut-être comme une fois, demain? Demain? Mais pas demain, c'est le 24. C'est vendredi, c'est la plus grosse journée de la semaine. Puis c'est même pas encore Noël. Non, je sais. C'est juste que ma femme m'a organisé de quoi demain. Ok, fait que là, je comprends. En plus, il faut que je te donne le 25. Tu veux que je te donne le 24? Il se l'aide avant Capitaine, oui! Ah, mais comment, monsieur Tremblay? C'est Noël, après tout! Oh, c'est Noël! C'est ça, y'a pas, je m'en fous, c'est Noël! Puis les gens aussi, ils pètent pareil! Puis le monde, ils viennent pareil! As-tu déjà remarqué que le 24, c'est la journée, il y a le plus de monde de toute l'année? Ah, c'est un homme! Thérèse Tremblay, bonsoir! Oui! Oui, je regarde mon calendrier, laissez-moi deux petites secondes! Oui, vous allez pouvoir passer n'importe quand entre le 26 et le 27. Oui, le 26 à 6 heures, je suis là. Parfait, passez une excellente journée! Ok, c'est bon, arrête de faire ta face de chien piteux. Prends les 24 pour te mettre dans tes maladies. Non. Non, c'est ça, monsieur Tremblay, j'ai plus de journée de maladie. Vous savez, avec mon petit gars, il a fallu que j'amène à l'hôpital. J'ai dû prendre plusieurs de mes journées de congé. Ok, c'est vous! Prends le 24! En chance, c'est pas tout le monde qui me prend le 24! Puis le 27 et 27 à 7 heures, là! Ok! Promis! Merci pour nous! C'est vous! Oh, Marco! Oublie pas la
attends dans le coin. À bleu ou à blanche? À la blanche. Faut qu'elle sorte demain. Très bon. Ah, puis tant qu'on en parle, tu diras à Joseph qu'il fasse attention avec les bandes. Là, je sais bien qu'il est petit, c'est pas de sa faute. Ben, c'est juste que les diables n'ont pas de se plaindre qu'ils sont regardés rentrer dans leur char tellement les bandes sont bien en se proche du volant. Très bon. Alright, alright. Faut-tu prendre le monde par les sentiments de même? Encore la faute à Noël, ça. Joyeux Noël, Scrooge! Ah, pas toi ici! Joyeux Noël, monsieur Leclerc! Joyeux Noël, Bob! Comment va la famille? Comme d'habitude. Ah, tiens. Je vais t'envoyer de la magie de Noël. Ah, je te donne ton vin. J'aimerais bien ça faire plus, là. Mais je suis aussi riche que votre boss! C'est la Noël. Comment, Scrooge? Arrête donc de chialer, je suis venu à mon souper de Noël. Ah! Oh, come on! Tu dis non à chaque année. T'as pas encore compris, hein? Okay. Garçon, les bons sous. Oui! Oui, oui! C'est parfait. Ah oui, c'est déjà venu. Ah, comme ça, plus tard. Bonjour, oui. Tu peux pas rester tout seul le soir de Noël? Ouais, c'est moi-même. Qu'est-ce que tu fais toute la journée de Noël, hein? Tu comptes ton cash? Oui! Oui, c'est ça, il y en a beaucoup, mais c'est bon. Ah, je vais dormir en chapeau, là. Non, touche pas mon chapeau! Je vais le briser. Je pourrais le publicité, c'est la marque de commerce. Tu sais, Bella, elle aimerait bien ça te voir, hein. Un petit plat. Ah, comment je trouve, t'as pas de cœur. T'es mal passé, tu sais, ça, toi. Voyons. Ça fait 15 ans de ça, là. Ouais, pis. Tu vas jamais me pardonner. Non. C'est bon. Quels sont les bons jours? Oui, on fait des wipers, on ferme leur cuisine. Par contre, ça fait René demain, on joue avec toute la journée. Eh oui, pas cette belle journée. Ah ben, jamais de change d'idée, là. Non! T'es toujours là bien. Non, non, non! Joyeux Noël! Très chat! Vivement que soit le temps de mettre la clé dans la porte, je suis mort de péter le 5 comme ça. Ouais, puis je pensais qu'on en finisse. Ah! Quels sont les bons jours? Non, on fait pas de fromage, c'est... Bon, on est fermé. Ouais, je sais, mais... C'est le char à Mme Marcelo, je vais juste le finir pour que ça soit pas demain et que ça soit sa coche. Oui, c'est bon, tu finiras demain matin. Non, c'est ça, je suis pas là demain, c'est quand même, c'est un oubli. OK. Ben, tu me tirer en porte d'abord. Ouais, promis. Ah, pis ben, vous savez... Un apprenti, ça aurait du temps. Un apprenti. Ah oui, un jeune dévoué qui se donne pour son travail, ça. Ils ont bien du temps dans le quartier, en fait. C'est qui est le meilleur apprenti? Ah, ben, je sais pas, on parle pour parler, tu veux pas mettre ton nom sur ma bouche directement, mais ça. T'as une petite idée en tête, j'irais peut-être voir quelqu'un qui est proche de moi, comme je sais. Et ça, je pensais. Oui. Oui. Oui, je regarde ça deux petites secondes. Marco! Ouais! La masse de blanche, est-ce fini? Ouais, elle est mise en cours! C'est bon! Oui, elle est prête, oui, vous venez la chercher quand même. Bonjour! Est-ce que le propriétaire, monsieur Tremblay, est ici? Bonjour, c'est moi. Mais joyeux Noël! Et ça commence pas bien. Oh non, mais vous ne me connaissez pas, je suis la nouvelle solliciteuse pour la maison Jeanne-Mance. La maison Jeanne-Mance? Oui, la maison Jeanne-Mance. Vous en avez sûrement entendu parler, monsieur Tremblay, ça fait facilement 20 ans que nous sommes en opération. Non, jamais. Non? Ce n'est pas grave du tout, vous allez pouvoir donner pour la première fois aujourd'hui. Combien je mets à vous pour votre nom, monsieur Tremblay? Zéro! Zéro? Mais monsieur, nous sommes une grande organisation et nous aidons une centaine de personnes par mois. Ben, vous autres, hein? Nous avons besoin de l'aide de gens comme vous pour pouvoir continuer les opérations. Je ne pensais pas, moi. Ça fait 20 ans que j'existais et j'avais 27. Vous ne voyez pas que c'est dans votre tour de donner, monsieur Tremblay? À mon tour de vider mes poches! Pensez aux sans-abri. Oh, ça, je pense.
Oh, ce soir, j'y pense le matin quand je me lève, il faut que j'ai une chasse dans ma cour. J'y pense le soir quand ils dorment dans ma cour à pneus. J'y pense qu'il faut que je passe entre les chars ramasser les déchets qu'ils laissent. J'y pense l'été quand ils quittent pour mes clients. Puis j'y pense l'hiver quand ils rentrent pour se réchauffer. J'y pense en titi. Mais monsieur... Non! Là, vous allez voir votre poste. Vous allez dire plus jamais revenir ici, je donnerai pas une scène. Non, pensez. Non, non. À tout bonheur que vous pourriez pas... Allez-vous sacrer votre temps. Voilà ce que j'en pense, la maison Jeanne-Mance du chantage émotionnel! Terrasse Tremblay, bonjour! Oui! Oui, je vous écoute. Parfait. Oui, le 30 décembre. 30 décembre, bonjour. Parfait. Je vous pose ça. Assez réchauffé. Je viens m'acheter quelque chose. Ah oui? Vous avez une voiture? Ouais. Quel modèle? Je connais pas ça, moi. Les modèles de char. Si, ça que je pensais. Dehors! Hey, ça, tu fatigues à ce moment-là, ça veut tout avoir sans faire d'effort! Oh, mon tête, s'il vous plaît! Il fait ça dans ses dehors! C'est pas mon problème, ça va être dehors! On n'est pas un horaire, je sais! Senteur! Qu'est-ce que vous faites? Les deux verts! Un se grache sur la de blanche! Ok, les boys, ils sortent les chars, ils sortent d'ici! Faut que ça puisse bon quand ils sont rentrés! Caroline, en plus, Bob qui est pas là, lui qui est capable de dégérer deux raisins! Ça va être une longue journée! Terrasse, rendez bonjour! Oui! Non! Ben non, on fait pas ça, c'est fermé. Parfait, passez une excellente journée! Madame Leclerc, si vous venez ici pour m'inviter à votre réunion Noël, votre fils est déjà venu hier. J'ai dit non. Mais c'est sûr que t'es toujours invité à pour Noël, Scrooge. Mais je suis pas là pour ça aujourd'hui. Okay. J'ai besoin d'un cadeau de Noël pour mon petit-fils. Cadeau? Mais en garage, je peux pas se mettre cadeau. C'est parce qu'il veut devenir mécanicien. Ben, je me suis dit, what in your car? Quelque chose qui vient d'ici. Le plus grand garage en ville. Oui. Ben, on s'entend, là. Pas un calendrier de tonne en bikini. Ah, ça veut. Qu'est-ce que tu pensais d'un gage pour tester la pression des pneus, là? C'est-tu l'affaire qu'il y aura un crayon? Oui, non, ben regardez, ça là est encore mieux. Juste besoin de plugger, plug and play, puis voilà, se mettre à l'aise. Vas-y! Ben là, je vous explique comment il crache. Mais mon petit-fils s'en vient, faut que je m'en aille. Ben, mais là! Chante! OK. Quelques pièces de plus, c'est quelques places de plus. Vous êtes M. Tremblay, c'est ça? Lui-même. Mon père m'envoie chercher ses gants. Il pense qu'il les a laissés ici. Votre père? Hey. Ouais, c'est très bien. Ah. OK, j'ai pas vu le gant. Je pense qu'ils auraient oublié ça. Ah! Enfin, tu l'as trouvé, tu peux t'en aller. ça dérange-tu si je regarde les gars travailler ces chars? C'est ce que je veux faire plus tard, puis ben, mon père m'a montré plein d'affaires sur son char. Il m'a montré comment changer les pneus, changer les freins, buffer les scratch. Oui, mais c'est pas les supports de fermer. Ah, je serai pas dans vos jambes, c'est promis. Ah, on va s'en prendre une autre fois. OK. Merci quand même. Yes, sir, joyeux Noël. Joyeux Noël. OK, Mm-hmm.
T'es qui, toi? Je suis le fantôme des Noëls passés. Genre dans l'ancien temps, là? Non. Ton passé. C'est ça, faire vous montrer mes Noëls quand je suis petit. Est-ce que tu veux les voir? Non. Non, j'ai autant mieux les oublier. Je comprends. Il n'y a rien de magique dans ces Noëls-là. Non. Donc le Père Noël, il passait pas chez lui. Qu'est-ce que c'est ça? Par contre, je peux te montrer ceci. Célébrer Noël avec toi. Non, on n'a pas célébré Noël pendant tout. Comment chaque année on est allé chez Madame Lebeau. Puis moi j'entendais les enfants jouer pendant que j'étais caché dans la cuisine. Pose couche. Ma mère elle disait tout le temps. Noël, c'est pas pour nous autres, couche. Noël, c'est pour le monde riche. Je vais lui dire. Je vais lui dire que le bonhomme rouge n'existe pas, puis je vais lui dire que c'est les parents qui achètent les cadeaux. Puis nous autres, on n'a pas d'argent. Je vais lui dire qu'on est tout seul au monde, puis faut qu'on fasse avec. Puis on n'a jamais eu de Noël. Ta mère a travaillé tellement fort. Peut-être un toit sur ta tête. Fait que t'aies des vêtements pour aller à l'école. Fait que t'aies exactement à manger. Ouais. Comment va-t-elle? Je sais pas, je parle plus. Tu ne parles plus à la femme qui t'a tout donné, son cœur, sa jeunesse, son âme. Ouais. Moi aussi, je tenais quand j'avais 16 ans et je suis parti. Ok. 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 Puis, je veux dire, t'as jamais essayé de la revoir? Non! Je peux pas croire que le boss t'a donné 3 jours à Noël, 3! Y'a pas d'autre boss après ça! Allez! C'est frais! C'est. Check comment qu'il est jeune! Beau comme un cœur! Il est fou! Il fait dans le meilleur temps d'année! Hey! Puis ça, c'est moi! C'est quoi? Oh! C'est quand on travaillait chez Monsieur Lebeau! Beau comme un cœur! Wow! C'était un bon air, ça? Ouais! Pas pris! Comme dit M. Bellevue,
d'or. L'argent, ça remplace pas l'amour. C'est bon quand même d'avoir les deux. Tu vas te plaindre. Non, non. Ça de même. Mais plutôt, tu veux-tu quelque chose, toi, Noël? Non, comme tu. Ben, t'es là chez nous, mes parents sont contents de toi. Non, je veux pas déranger ta famille, là. Tu sais que ça dérange pas, là? Ouais, je sais. Ah ouais, ma mère fait tout à trop de bouffe, là. Tu nous rendrais service. J'ai dit non, frère! Ok, ok. Oh! Gérard, j'ai fermé une dame, hein? Oh, non, c'est. J'ai un plein de crevards de coin routine. Vous connaissez pas encore un garage qui est ouvert? Oh, ça m'étonnerait. C'est correct. Hein? Je vais régler ça. Pour vrai, vous allez m'aider? Ben, mais c'est pas de trop. Fred! Tu viens dessus, là? Il se passe pas grand chose de l'histoire là, avant que ça ferme. Attends! Correct, moi là. Pour changer un pneu, niaise-moi pas. Va rejoindre ta famille, je vais m'occuper de la demoiselle. Vous allez voir, vous êtes en train de bonne main, hein? Donnez-moi 2 minutes, je vais ramasser mes enfants. Ton ami Scrooge, il vient pas avec nous? Comme d'habitude. Il va nous rejoindre plus tard. Faites-vous en pas, madame Leclerc, c'est bien correct. Mais là, Scrooge, tu le sais que j'aime pas ça de savoir tout seul, surtout à Noël. Une journée comme les autres. Arrête de lâcher le main, il veut pas. Non, mais. Ah ouais, là, genre de voir ce qu'on va manger pour souper. Ah, je pense, c'est la même affaire à chaque année. Non, t'avais pas dit que t'avais une commission à faire, toi. Une commission. Fait que les pains. Bonne journée, là. Je vais aller là, là. Et je vais aller là. Fait que ton nom, c'est Scrooge? C'est quoi ton prénom? Scrooge. C'est son nom. Mon nom de famille, c'est Tremblay. Scrooge Tremblay. Ouais. Je sais pas où est-ce que ma mère a pêché ça. Je pense qu'elle voulait que je fasse tirer de moi. Moi j'aime ça. Scrooge. C'est original. Pas ça. Moi c'est Bella. C'est un nom bien ordinaire. Quand même. Pas si ordinaire que ça. Ok. T'es tout seul cette année pour Noël? Comme d'habitude. Moi aussi je suis tout seul. J'ai pas les moyens d'aller revoir mes parents pour que j'étudie ici. T'es tombé amoureux! Ça arrive à tout le monde! Mais non, ça arrive pas à tout le monde de tomber amoureux! Si tu le dis. Tellement bête. Jack, t'as allé souper chez elle? Ouais. Pour l'inviter, on s'est fait un petit souper. Mais en elle de toute ma vie. Ok, puis, restez avec elle longtemps? Ouais, 10 ans. 10 ans? Hey! Ok, puis continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens plus. Il s'en souvient plus. Regardons ça. On va regarder ça! Il y a faux, là. Fais ça vite! Je vais passer le reste de ma vie à essayer de te rendre heureuse. Oh mon Dieu, Scrooge! J'envoie mon garage à moi. Ce sera plus long. Jacob Marley est mort, pis son garage est à vendre. Je vais sauter dessus pour faire plein d'affaires! Arrête! Quoi, arrête? Je peux pas accepter. Quoi? T'es un homme extraordinaire, mais t'es juste pas pour moi. C'est quoi qui va pas? Tu m'aimes plus? Ben oui, je t'aime! C'est quoi d'abord? Tu travailles tout le temps, je te vois presque jamais! Tu vas quand même pas me reprocher de faire de l'argent? Faut que je l'appelle, c'est important! C'est la banque qui veut plus d'infos, ça brasse les affaires. C'est justement ça, Scrooge! Les affaires, le budget, l'argent, tu penses juste à ça, l'argent. Mais oui, mais c'est pour notre futur, Bella. C'est pour ton futur. T'as juste oublié d'en faire de la place dedans. Quand j'aurai mon garage, je vais travailler moins. Non, quand tu vas avoir ton garage, tu vas travailler encore plus. Mais c'est ça, je vais vouloir superviser, m'assurer que les employés font leur job comme du monde. Mais... Tu vois? Mais c'est normal. Non, c'est... Parler de ma vie plate. Ouais.
Qui toi? Moi! Je suis le vendeur des Noël Brésents! Je vois le présent, oui, je connais! Oh, vas-tu arrêter de penser juste à toi, là? Viens, on s'en va voir ce qui se passe ailleurs! Non! Je veux pas aller ailleurs, moi je reste ici! Non, écoute-moi bien. Tu vas me suivre, on va aller voir les autres Noël, c'est tout! Ok, prends-moi ça de main, c'est beau. Hey! C'est bon? Qu'est-ce que tu fais là? Il est à l'hôpital! Qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit que sa femme avait arrangé quelque chose pour lui! Il a menti. Le petit maudit! Sa femme est décédée, il va le passer. Ah! Il vit seul avec son fils. Ah, en ce moment même, Tim subit une opération assez importante. Moi? Il me l'avait pas dit. Oh non! Il te bat de sa vie habituellement? Non. Bon, ben, ça va, son bruit de bord, hein? Ça va-tu bien se passer au moins? Ça t'intéresse! Là, je suis pas un monstre quand même. Vous allez protéger, hein? Bon. Mon petit Tim, c'est tout ce qui me reste. Je vais faire tout ce que vous voulez, je vous promets. Non. L'opération va pas bien aller. Tim va avoir des complications. Bob, va falloir qu'il s'en occupe 24 heures sur 24. C'est bien, non? Ça, ça aurait déjà fini quelque chose. Il fallait voir la petite malade là-bas. D'ailleurs. Comme toujours. Ouais. Non, je pense qu'il a travaillé avec le sourire chaque jour. Et toi, tu me disais. T'enlever ce sourire-là. Ouais. Pas fort. Ah, ben, un pour l'autre. Tu le choix. Non. Oh, c'est Bella. Ça y va bien. Il est joli. Ah non, pas lui. Chut. Tiens, pour ça me passe bien. Ah, le petit est endormi. Ouais, comme une bûche. Il faut mettre les cadeaux sur le sapin. Il a 15 ans, il croit pas au Père Noël. Moi, j'y crois. Okay. Moi, je vais pas voir ça. Ah bon, ouais, bon. Fred, il m'a volé de là! Il était dans mon dos, il a dit que j'étais un écœurant. Hein? Pasteur peut bien rire dans mon dos. Oh, c'est ce que tu parles. Je suis certain. On va regarder. C'est quoi? Macaboumi! Merci! Fred! Oui? Est-ce que tu penses que Scrooge va nous pardonner un jour? On veut juste espérer. Tu comprends pas! Faut qu'il fasse partie de notre vie! Je vais pas le forcer, hein? Faut tester plus fort, Fred! Mais je fais ce que je veux! Il me revient de base, faut qu'il me boit! Parce que là, en plus, je m'attends à bien comprendre une petite soeur! Ce serait fun que ce qu'on fasse partie de notre vie! Peut-être un jour. Mais qui, Jonathan? Pourquoi tu as pas dit tout de suite, hein? Tu sais, quand il t'a demandé en mariage? C'est quoi? J'étais pas capable. C'est quoi? Je voulais pas me faire absent pour mon bébé. Hey, Bella, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Calme-moi pas, là. Quoi? Je vais envoyer Jonathan chercher mes gages et tout. Oh! Fred! T'as pas dit à Jonathan que Scrooge, c'est son père quand même! Non, non, fais-toi en pas. Jonathan, c'est mon fils. Une chose que t'étais là, Fred. Moi puis Jonathan à la place de Scrooge. Je sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi.
Est-ce que tu regrettes ta décision? Pas du tout. Je t'aime à rien. J'ai un fils. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Il est venu y aller aujourd'hui. Tu l'aurais su. Tu t'avais accepté les invitations qu'elle n'allait pas te faire. Oui, mais je... Non! Moi, vraiment. Allez à la tu l'auras monté. Tu voulais rien savoir de l'autre, hein? Tu veux pas les blâmer de pas t'avoir dit. Oh, puis en passant, t'as un petit. Ouais, mais ils vont me le dire quand ils ont besoin d'argent. C'est pas d'argent qui veut se trouver. C'est un modèle. Quelqu'un qui va être là pour le jeune. Je suis pas un modèle, moi. C'est vrai que t'es pas un modèle pour le modeur. Tu vas pouvoir lui montrer que tu vas être capable d'abattre, on est persévérant. Moi, le seul. Oui. Tu as travaillé fort toute ta vie pour ramasser de l'argent pour ouvrir ton garage à toi. Même si tes parents n'étaient pas là. Hein? Tu as fait ça tout seul. C'est vrai. Ah, ben là, pour te dire, tu m'en es. Hein? Mais non, plus. Tu vas pas montrer les Noël cool avec le bon maître, les affaires de fun. Mais des fois, pour que Noël soit cool, il faut lui donner un petit coup de pouce. Hein? Une claque d'en face. Oh! Au grand haut, puis grand bas. Et là, moi, je fais quoi? Ah, ça, il faut juste. Ben non, je peux pas te le dire. Besoin que je vous... non? Ok. Tu
Ça va me joindre elle aussi. Prenez ça. Mais non, mais voyons donc, je peux pas. Ouais, prenez. J'ai pas besoin de magasiner. Mais non, mais je comprends, mais... Non, non, non. Mes petits enfants sont gardés en masse. Mais non, mais je peux pas... Vous pouvez pas changer de gag. Ah ben là, madame, vous savez pas quel bien venu de ma foi, là. Je m'en doute pas. Ah, puis moi puis mon petit démon, on va penser à vous, à la petite fête de Noël. Pensez pas trop à moi, là. Concentrez-vous sur la santé de votre fils. Joyeux Noël. Ben, joyeux Noël, vous aussi, madame. Ben, merci. Madame, on va plus magasiner? Oh, non. C'est tout ce que j'ai besoin. D'autres? Tu vas voir, mon petit Tim, on va manger un très bon souper de Noël, tu vas voir, je te promets. Même quand ça va pas, Bob a toujours un sourire dans la face. Il est impressionnant. Hein? Oh, madame, va bien donner chez votre auto. Puis comment ça, le nouveau propriétaire? Jamais je vendrai mon garage, c'est n'importe quoi ce que tu me montres là. Hey, la connais, elle. Elle est venue à mon garage aujourd'hui. Alors, il est lui, pas j'avais un œil dessus, mais faut que tu watches tes affaires avec elle. Oh, ça dit bonne scène, si elle veut quelque chose, laisse à travailler. Madame. Eh voyons, vous parlez d'une température pour quitter, vous devriez aller vous réchauffer à la petite maison d'annonce. C'est fermé. Ils ont mis la clé dans la porte à matin. Ben non! Oui! C'est difficile de sauver de nos jours. Pas surpris que ça a fermé cette place-là, c'est tellement mal organisé. Avez-vous un endroit où dormir? Je me suis trouvé un petit coin. Si je suis chanceux, il n'y a personne qui va me l'avoir volé quand je vais retourner. Ça n'a pas d'allure! On fait ce qu'on fait avec ce qu'on a. Vous savez, de rien venir chez nous. Hein, moi et mon petit Tim, mais on a assez de place pour tout le monde. Là. En plus, on a plein de couvertures chaudes. Là. Vous allez pouvoir rester au chaud là, avec ça. Non, fais pas ça, on va te voler tout ce qu'il y a. Vous êtes sûr? Ben, certainement! Je veux pas m'imposer. Vous allez poser quoi partout? Ça fait plaisir! Je vais prendre l'argent que vous m'avez donné, là. Je vais vous faire une bonne soupe. Ah, ça sera pas de refus, la petite madame. Moi, c'est Bob Cratchit. Moi, c'est Marie Tremblay. Marie Tremblay, comme dans le genre de Tremblay. Elle est pas ouverte. Parente avec un petit. Est-ce qu'on vous en prie, vous? C'est ma mère, oui, c'est ma mère qui était pour manger. Ta mère qui t'a mis dehors de ton garage le matin. J'espère que tu te sens cheap un peu. Ah, bien, j'ai un autre nez là pour ça vite. Dépêche-toi, là, on va arriver en retard. Oui, je sais même pas pourquoi tu veux y aller. Il y aura plus personne qui nous attend. Il y aura pas un chat là-bas. Oh, mais là. Je m'excuse, Fred. Je sais que Scrooge, c'est ton ami. Mais il n'a jamais rien fait pour nous. Il t'a fait comme ses deux pièces. Je comprends pas pourquoi tu continues à m'aider année après année. J'ai pris une chance. Je me disais bien qu'il fait nerveux pour changer d'idée. Arrives-tu? Oh oui, je cherche ma sacoche. Est-ce que Jonathan vient avec nous? Non, je vais pas le traîner au funérail d'un inconnu. Il connaît pas. Il va garder la tête. OK. Moi, oui. Les funérailles? Fallait bien que ça arrive un jour. Il est beau comme un cœur, Ben, tu sais, c'est un vrai ami, il est là au moins. Ouais. Je suis sûr en plus qu'il t'a même pas laissé 25 cents dans son testament. Je veux pas son argent, je veux juste lui dire bye-bye. Ouais, en tout cas. Invite-les pas ce coup-là qui est mort, la sœur. Mais un peu de respect, hein, quand même? Ouais. On va peut-être avoir un meilleur signal internet qui vient faire son tour. Je suis mort. Puis ils font les jokes de Wi-Fi. Oh, regarde. Je vais voir aller un sacrilège. Comment ça que c'est pour tout ça, le gars? Attends, je peux-tu me montrer?
pense que je pourrais le changer. Pourquoi? T'as-tu des idées, quelque chose? J'ai pas toujours été correct, pis il fallait que je le voie de mes yeux. Là, je vais changer les choses. Watch your mother! Oui.
fou, t'as pas vieilli! Ici, madame Charlie, ici, votre fils, ici. Oui, juste au milieu. Allez, maman. Cool. Mon garçon? Non. Madame Tremblay, c'est votre mère? Ouais. Et que vous venez ici? Oh, oui, oui, désolé, pas d'urgence ici. Merci. Désolé, maman, de t'avoir connu l'autre jour à la choc. Ça fait tant d'années. T'es partie quand t'avais 16 ans. Je savais pas où t'étais. J'espérais que tu faisais de quoi de bon. J'espérais que t'étais pas en prison. Ouais, j'étais pas en prison. Il était tellement pas en prison qu'il est parti son propre garage, s'est rendu l'un des hommes les plus influents de la ville. Quoi? Exagère! Mon fou! Ben non, il exagère pas, il va même avoir sa plaque quand j'en viens. Oh, c'est pas ça qui est important! C'est important, c'est que là, je suis là, je vais m'occuper de toi. Pour ça, me garder chez toi. Ouais. c'est que j'avais 17. Hein? Mais on va tenter quelque chose, il y a une Mazda qui traîne dans le coin. Oh, j'aime ça les histoires qui finissent bien. Bravo, vous êtes tombé! Je suis contente que vous ayez trouvé mon père! Désolée, je suis tombée. Ben, j'ai brûlé la fin ici, là. Je vais retourner à la maison de l'annonce. Oh, attendez, madame Chose, là. Oui? Ils vont faire un dépôt. Ah! Je dirais tellement pas non! Il vous dira à votre boss d'en venir à chaque année pour avoir un arbre de fête. Merci, monsieur Tremblay. Merci, monsieur Tremblay. Votre argent sera mis à bon escient, vous verrez. Prends notre poche. Joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur Tremblay. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. Les enfants! Donc, Scrooge, qu'est-ce qui t'arrive? On ne te reconnaît plus. Pourquoi est-ce que je vieillis? Mon Dieu! En tout cas, moi je l'aime le nouveau Scrooge! J'ai tellement honte, Thierry, je ne peux plus. Décédé. Ouais. Mm.
va trouver une solution. Il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a plus de solution, je suis à cause. Je suis au bout du rouleau, vous attendez. Je ne sais plus où regarder. Hein? Les factures s'accumulent. T'aimes votre pire en paix, puis il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que j'ai à faire. Des bords en compagnie, ça te dit-tu? Des bords? Oui, genre. Écoute, pas. Je peux pas se le cacher, t'es le meilleur mécanicien en ville. Tu m'as pas voulu ce business-là si t'étais pas là. Ah, fait qu'à un moment, faut bien que les bottines suivent les babines. Ben merci, mais je peux pas refuser, mais. En même temps, je peux pas plus accepter. Je veux dire, c'est probablement les plus beaux cadeaux que vous pouvez me faire, mais je peux toujours. Quand même pas rentrer. Je m'occupe de Tim. Tu ne pas trouvé cette infirmière auxiliaire qui occupait de ton Tim. Quoi? Ben, sans blague, décider de t'engager un apprenti. Quoi? Ouais. Apprenti comme dans la... Apprenti, là, tu fais, on des blagues, ça? C'est des jokes, sont où les caméras? Y a-tu une caméra là-dedans, là, où sont où? Mais on va. Mais non, non! Hey, merci! Oh, mais là... Mais non, là, je pourrais jamais vous rembourser tout ça. Bon, je t'ai-tu demandé de me rembourser? Non! Oh, mais dis oui, tu sembles là! Oui! Merci tellement! Mais c'est beau! Vous savez, pas besoin de changer de monde juste en regardant autour de nous. Un simple geste peut faire beaucoup de bien dans la vie de quelqu'un. Ouais, comme sourire aux gens qu'on les croise. Donner son temps, donner sa patience. Donner un coup de main. Écoutez les gens qui en ont besoin de parler. Sans juger. Sans interrompre. Garder sa porte ouverte. Garder son cœur. Faire confiance aux gens qui entrent. Puis on sait jamais. Ces gestes peuvent faire un peu de boule de neige, puis ben, affecter la vie avec son chemin. Sur ce, joyeux Noël!